C'est l'ascenseur émotionnel ce soir, mais moi, ce que je retiens avant tout, c'est une énorme fierté pour ce qu'on a été capable de faire encore dans l'adversité ce soir. On a joué un adversaire sochalien qui a sûrement fait son meilleur match de l'année 2017. Pour les avoir quasiment tous vus en préparant celui-là, je vous le dis, c'est le meilleur match de Sochaux en 2017 à domicile. Et il a fallu être très fort pour revenir de 0-2 à la mi-temps. Et à force d'abnégation, de qualité, de valeur collective, on a réussi à gagner ce match. Et c'est vrai qu'on a pensé, en nous annonçant dans le tas additionnel le match nul d'Amiens à ce moment-là, on a vraiment craqué un petit peu parce qu'on pensait que c'était fait. Mais voilà, donc il faut digérer ça, tout en retenant quand même la performance extraordinaire de nos joueurs. Parce que ce que l'on fait, c'est juste fantastique. Sur les 8 derniers matchs, on a gagné 6 fois. On s'impose là, après être mené 2-0. C'est fabuleux. Donc maintenant, récupérons. Et il faut continuer à y croire dur comme fer, parce qu'on est capable de le faire. Ça sera difficile. Mais eux aussi seront fatigués, eux aussi seront sûrement plus atteints mentalement que nous, parce que nous, on a cru monter. 18e jouer un barrage, quand tu es joueur de Ligue 1, avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir, c'est pas évident. Donc voilà, on va s'y préparer, et comme il disait Rudbyman, on va s'y filer, et on va tout donner à nouveau.